Salam alaikum, Azul Villaoun, bonjour. Pendant que les agences de presse du monde entier donnent l'information sans la mettre au conditionnel, pendant que tous les journaux du monde confirment que Bouteflika est bel et bien hospitalisé à Grenoble, à la clinique d'Alembert, pendant que le dit établissement est placé sous haute protection et que des CRS patrouillent tout autour, pendant que des journalistes français qui font le pied de grue depuis jeudi nous confirment l'information, pendant que le ministre des Affaires étrangères français nous déclare lui-même que le président, le même président Bouteflika, se trouve bien à la clinique d'Alembert, et même qu'il a des difficultés d'élocution, vous allez l'entendre tout à l'heure, il ne dira pas que ça. La télévision algérienne et les journaux qui bouffent au râtelier du régime nous apprennent que le président est à Alger, qu'il a envoyé un message au président palestinien, et patati et patata. D'autres journaux, à la réputation largement usurpée, nous affirment que selon des sources proches de la présidence, le président Bouteflika n'a pas quitté Alger. D'autres ignorent totalement le sujet et consacrent leur une à un baronnet du régime, jugez-en à l'article de l'Expression par exemple. Je cite le titre de l'article. « Fin connaisseur du monde du travail et subtil négociateur, Sidi Saïd, un destin écrit en majuscule. » En tous les cas, on nous apprend que Bouteflika vient de quitter le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, il y a environ une heure de temps, dans un convoi d'une demi-douzaine de véhicules escortés par les motards de la police française. Certains journaux algériens et les télés du régime n'en auront donc pas été à leur première esbrouffe. Mais bon, ce n'est pas très étonnant, tout ça, quand on sait que le mensonge est l'essence même, la nature profonde, de cette chose qui nous gouverne. Il n'en demeure pas moins qu'il ne fait plus de doute que le président Bouteflika a été admis dans l'urgence pour un problème cardiaque, puisqu'il s'est fait hospitaliser dans cette clinique juste pour pouvoir bénéficier de la compétence d'un professeur qu'il avait suivi pour les mêmes problèmes au Val-de-Grâce. Un professeur qui a quitté le Val-de-Grâce et qui s'est fait recruter dans cette clinique où se trouve le grand malade. Le même professeur se serait fait recruter en Italie, que son malade l'y aurait rejoint. Nous avons donc un indicateur sur l'état de santé de Bouteflika, puisque son entourage l'a fait admettre auprès d'un médecin qui traitait ses problèmes cardiaques. Nous apprenons aussi que tout le sixième étage de cette clinique lui a été réservé. Nous découvrons surtout que les digues médiatiques qui avaient été érigées par les copains et les patrons français du régime pour inciter la presse française de ne traiter du cas Bouteflika qu'à minima, ont été rompus. Désormais, la presse française ne va plus taire cette histoire ou la reléguer dans la rubrique des chiens écrasés sous le prétexte fallacieux de la bien commode raison d'État. Le scandale a trop duré et les journalistes français ruent désormais dans les brancards. Ils ne lâcheront plus le morceau et les lobbies pro-régime algérien qui arrosaient tout le monde n'y pourront rien. Mais le problème est que cette information, plutôt que de susciter la solidarité du peuple français avec le peuple algérien, est en train de remuer la boue raciste. Partout dans les journaux qui offrent des forums de discussion à leurs lecteurs, ce n'est que haine et rancœur, parce que nombreux sont les Français qui pensent que les barons du régime algérien se soignent gratis en France aux frais de leur sécurité sociale. J'ai personnellement réagi à un flot d'injures et de mépris sur le journal Le Point, que je remercie d'avoir publié intégralement mon commentaire. Je voulais vous la lire ici, dans son intégralité, mais elle est trop longue. Et comme nous avons un invité de choix aujourd'hui, nous allons directement aller vers la discussion avec lui. J'ai le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui le docteur Hassin Haroun, porte-parole du mouvement algérien des officiers libres. Docteur Hassin Marhbabik, merci d'avoir répondu à notre invitation. Salam alaikum, Azul Flawan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette histoire d'hospitalisation, de énième hospitalisation de Bouteflika, qu'est-ce que vous en pensez comme ça à froid? Ben c'est un autre affront fait à l'Algérie, enfin je dirais plutôt fait à tous les malades algériens, parce que au même moment où cette fastueuse clinique qui est très bien cotée dans le top
des cliniques et des hôpitaux français est en train d'accueillir ou a accueilli Bouteflika. Au même moment, nous avons en Algérie des mortoirs, des hôpitaux que l'ancien colonisateur a réalisés, Mustafa Bacha, Mayo et tout, où les gens partent pour mourir, tout simplement. Oui, donc, il y a une différence, il y a un constat terrible, c'est que le Bouteflika est important. Le clan Bouteflika est important. Les gens qui ont de l'argent sont importants, mais le peuple, il peut mourir dans les rues, il peut mourir. Et maintenant, nous savons avec certitude que tous les barons du régime se soignent en France. Absolument. Tous. Absolument. Auprès de la sécurité sociale ou d'un budget secret qui se trouve au niveau de la présidence. Absolument. D'ailleurs, quand on parle de cette clinique, il faut noter que ce sixième étage, il a été rénové il y a quelques mois. De fond en comble pourront faire une suite royale. Il y a quand même une causalité à effet entre ce service qui est réalisé au préalable pour accueillir Bouteflika et l'arrivée de celui-ci. Attendez. Vous êtes en train de me dire que le sixième étage de cette clinique, la clinique d'Alembert, aurait été réaménagé pour accueillir Bouteflika, pour en faire une sorte de suite destinée à Bouteflika seul. Absolument. Il a été complètement rénové à neuf pour en faire une suite royale. Il ne faut pas oublier que Bouteflika, il a évolué à un certain moment dans les palaces émiratis, donc il a depuis tout le temps le goût du luxe. Et donc tout cet étage a été refait pour justement être à la hauteur de ce luxe. Maintenant, je pense que la présidence pourrait avoir justement financé ces travaux pour l'arrivée de Bouteflika. Alors, la présidence de la République algérienne aurait financé des travaux importants, très importants, elle a investi beaucoup d'argent pour réaliser une sorte d'unité de soins de luxe à Grenoble pour accueillir Bouteflika éventuellement. Absolument. Donc ça explique le déplacement par exemple du professeur qu'il soignait dans le CER, parce qu'au Val-de-Grâce il avait plusieurs professeurs. Ouais. Un qui s'occupait du côté cardiaque, un qui s'occupait du côté neurologique, et s'occupait que de Bouteflika. Oui, et là il y a un professeur, on nous apprend, qui est venu du Val-de-Grâce descendre vers cette clinique. Le choix de cette clinique n'a pas été opportun, n'a pas été par hasard, c'est uniquement parce que cette clinique, elle est réputée dans plusieurs domaines de la médecine comme étant la meilleure. Dans le classement général des spécialités médicales, oui, elle est dans le top. Et justement, c'est à cause de ça qu'elle a été choisie. Elle est loin de Paris, loin de tout le tapage médiatique, parce qu'il faut dire que Saïd Bouteflika, il a appris beaucoup lors de la première hospitalisation de son frère. Et donc, loin de tout, il peut partir et revenir. Parce qu'il faut dire que cette fois-ci, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la seule fois qu'il va y aller. Donc, c'est un investissement au long terme. Il sait que Bouteflika ne va pas être soigné en France et qu'il va tout le temps continuer à se soigner en France, même quand il s'agira de la phase finale, de la phase gériatrique, si on veut dire. Mais, docteur Hassine, si ce professeur spécialisé qui était chef de service cardiovasculaire à Val-de-Grâce, qui donc a été ramené à cette unité de soins spécialement aménagée pour Bouteflika, d'après vous, donc il ne serait pas impossible que d'autres chefs de service aient été ramenés aussi du Val-de-Grâce vers cette unité. Absolument. C'est incroyable. Il faut dire que le tout est une question d'argent. Mais, quand ils sont payés, quand ils sont payés au prix correct, les établissements sanitaires privés, parce que c'est une clinique privée, il ne faut pas oublier, d'un but non charitable, mais c'est une clinique privée. Oui. Les établissements de santé publics privés en France... À but non lucratif, ils ont un statut spécial. Donc, ils n'ont pas de limite sur les charges qu'ils peuvent admettre ou qu'ils peuvent imposer à leurs patients. Donc, et même pour le prix qu'ils peuvent payer à un médecin. Donc, tout se paie, quoi. Et Saïd a tout fait, justement, pour créer une atmosphère médicale serein pour son frère. Mais ce que vous nous dites là, docteur Hassine, est énorme. Ça veut dire qu'on savait qu'il y avait une compromission, une connivence entre les dirigeants français et les dirigeants algériens. Mais à ce point,
aménager une structure de soins. Ils ont dit bon, que c'était destiné à des VIP de tous horizons. Mais là, on apprend qu'elle l'est principalement pour Bouteflika. Ouais, et où on apprend, vous nous apprenez qu'il est fort possible que les investissements aient été effectués par le régime, par l'État algérien, avec l'argent du peuple. Avec l'argent du peuple. Alors que les gens meurent faute de soins, où des gens se tordent de douleur et se jettent dans le vide. Absolument. Parce qu'ils n'ont pas de traitement antidouleur, là ça devient carrément... Non, c'est, ben, je vous l'ai dit, pour la femme, Bouteflika, c'est une dynastie. Actuellement, en Algérie, si on n'est pas proche du régime, on peut mourir. Il y a une dynastie, ça c'est l'état de fait, c'est malheureux de le dire. On pourrait peut-être rester des heures à parler du pourquoi et du comment, mais c'est un état de fait. Les Algériens, ils peuvent mourir, ils ne peuvent pas se soigner. Et d'ailleurs, plusieurs fois, on peut lire sur la presse écrite et même à la télé que les malades de cancer, principalement, peuvent attendre plus d'une année pour accéder au moins au premier traitement dont ils ont le droit, normalement. C'est une réalité. C'est hallucinant. Ah oui, c'est une réalité. Et donc, pardon, il a été, quand il est parti en France, normalement, il est parti le mercredi. Il a été accueilli par l'ambassadeur d'Algérie, Boujma Ammar, qui est un ami intime justement à Saïd Bouteflika, parce que c'est lui qui l'a choisi. Il l'a pris de Bruxelles pour le mettre à Paris. C'est vrai qu'il a fait Washington, il a fait Tokyo, il a fait pas mal de villes. Mais c'est quelqu'un qui est très très proche de Bouteflika, de Saïd Bouteflika, cet ambassadeur. Cet ambassadeur, Si Ammar, comme on le surnomme, est un grand affairiste. Il a fait beaucoup d'affaires. Il a géré beaucoup d'affaires aussi pour Saïd Bouteflika. Et d'ailleurs, quand il était à Bruxelles, c'est lui qui a supervisé l'hospitalisation à l'Erasmus de Msahel pendant des mois, qui est atteint d'un cancer. Et il a toujours été là, justement, pour les barons du régime et pour aider surtout la famille Bouteflika. Avec Bouteflika, quand il est parti, cette fois-ci, ce n'est pas Ben Daoud qui l'a accompagné. C'est comble de la moquerie, c'est le général Tarta qui l'a accompagné. Cette fois-ci, c'est le général Tarta qui a accompagné Bouteflika, qui l'a évacué. C'est lui, l'officier général, qui l'a accompagné. Alors, est-ce qu'il était dans un état grave ou est-ce qu'il est venu pour tester cette nouvelle unité de soins? Il était dans un état très préoccupant. Il a été pris justement en urgence. Oh, d'accord. Il faut dire aussi que personne n'a été averti. Les gens peuvent se demander pourquoi Tartak. C'est parce que Tartak, bon, on a dit la dernière fois qu'il a changé de camp. Oui. Il a trahi Toufir et donc il est avec Saïd Bouteflika. D'ailleurs, il n'habite plus à la cité des 27 villas de Saïd Hamdine. Comme il était dans le temps, il habite à côté. Djar, c'est le voisin de Saïd Bouteflika. Il habite dans le même quartier, un quartier qui a été justement construit par... Jiran Nesmleh. Absolument. Un quartier à El Biar où il habite avec Saïd Bouteflika. Pour vous dire un peu... La proximité. La proximité de la personne. Et ils n'ont averti personne. Ils n'ont même pas averti le chef du bureau de sécurité, le colonel Abdallah, qui assure uniquement l'intérim. À Paris, ils ne l'ont même pas averti. C'est incroyable. Même pas averti. Même le DDS, général Youssef, il n'a pas été averti. Alors, nous allons observer un court intermède, puis nous reviendrons. L'émission va être très probablement prolongée un peu par rapport à l'information monumentale que vous venez de nous livrer. Mais une dernière question. En cas de décès, on ne souhaite la mort à personne, pas même à nos propres ennemis. Pas même aux ennemis de l'Algérie, pas même à ceux qui nous ont fait beaucoup de mal. Mais l'Amar Bidallah, en cas de décès de Bouteflika, est-ce que Saïd et Gayet pourront trouver, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils ont déjà une parade, est-ce qu'ils ont déjà la panacée pour pouvoir garder le pouvoir pour qu'il ne leur échappe pas? Absolument. Mais justement, tout ce jeu-là, il a commencé, pas aujourd'hui, il a commencé quand Bouteflika, il a eu son AVC. Ou subitement, parce que l'AVC, il faut dire qu'il est arrivé subitement, personne ne l'attendait, c'était l'affaire Sonatrach, c'était d'autres affaires, l'affaire de la vidéo qu'on avait annoncée. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait que Bouteflika a flanché. Il a pété les plombs. Et donc, dès ce moment-là,
Saïd Bouteflika, il a quand même senti les sonnettes d'alarme sonner un peu partout. Parce que il avait, si par malheur son frère venait à disparaître, il n'avait aucun avenir en Algérie. Et il avait justement investi beaucoup en Algérie. Et donc, c'est pas un problème d'investir, c'est pas un problème de voler de l'argent, de substituer, de prendre des terres et tout. Le problème, c'est de garder tout ça. Le problème, c'est de garder tout ça, le fructifier et le passer aux générations futures. Et c'est là toute la dynastie, quoi. Là, exactement. C'est pour ça que je parle de dynastie. C'est pour ça que je dis que ces gens-là, qui ont foutu la pagaille, qui ont foutu la corruption, qui ont tout massacré. En fait, ce qui est pire dans tout ce qu'ils ont fait, c'est pas le fait d'avoir dilapidé plus de 850 milliards de dollars. Ce qui est enrageant et ce qui pousse le plus simple des citoyens, les Hargo Galbo, c'est de dire ces gens-là ont détruit l'Algérien. Oui. C'est l'Algérien qui a été détruit. Oui. C'est l'Algérien. C'est le citoyen, c'est le civique. C'est sidérant quand on voit par exemple qu'au Burkina Faso, quand un président veut changer la question, c'est la constitution, c'est tout le peuple qui s'élève. C'est tout le peuple qui s'élève. Ils vont mettre le feu au semblant d'athéen qu'ils ont. Oui. Là, c'est tout le monde qui est amorphe. Oui, mais personne n'a réagi. On se dirait qu'il s'agit du pays des, je ne sais pas, des Twinsa ou des Mrarba. Mais le pétrole, mais ils ont réussi parce qu'ils ont anesthésié le peuple algérien avec l'argent des hydrocarbures. Mais si demain, comme ça se confirme aujourd'hui avec la chute vertigineuse des prix du baril, s'ils n'ont plus les moyens d'anesthésier le peuple algérien, qu'est-ce qui va se passer? Non, de toute façon, actuellement, tout va s'écrouler. Les données mondiales disent que le pétrole, il va. C'est une crise. Il n'y a plus de doute. Il est en dessous, il va continuer de chuter. Voilà, exactement. C'est des données mondiales. C'est ça. On est gouverné par un monde extérieur aussi. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans un cycle de violence où c'est le peuple qui va payer les pots cassés? Je peux dire qu'actuellement. On est dans un labyrinthe et surtout face à un mur. Il n'y a plus de solution politique en Algérie. Il n'y a plus de solution politique en Algérie. Il y a, c'est vrai, des initiatives personnelles ici et là, mais ce n'est pas Benflis, ce n'est pas Mokhri, ce n'est pas Flan ou Flan qui vont. Il n'y a plus de solution politique en Algérie. Alors je vais vous interrompre, mais je vais écrire ce que vous venez de dire parce que c'est. Il n'y a plus de solution politique. Absolument. En Algérie. Alors nous allons observer un court intermède et nous allons revenir sur ça. Ok. A tout de suite. Salam alaikum, on vous retrouve dans un petit moment. We'll be right back.
Rebonjour, salam alaikum al jadid. Alors, le docteur Hassin Haroun vient de nous apprendre que il est fort probable, très vraisemblable, que c'est l'argent algérien qui aurait financé une sorte d'unité de soins d'hyperluxe, 5 étoiles, un palace de santé, uniquement pour accueillir M. Bouteflika, et que des professeurs en médecine qui étaient au Val-de-Grâce auraient été affectés donc dans cette nouvelle unité de soins un peu spéciale. Et donc, on comprend que derrière ça, il y a une vraie connivence entre des dirigeants français et la mafiocratie algérienne. Excusez-moi, c'est comme ça que je l'appelle. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais maintenant, j'aimerais revenir à ce passage du docteur Hassin, quand il a dit « Il n'y a pas de solution politique en Algérie ». Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur Hassin? C'est la réalité. Il faut voir ce qui se passe sur la scène politique. La crise, elle dure depuis déjà 20 ans, un peu plus de 20 ans, et elle ne fait qu'empirer. Elle ne fait qu'empirer. Les gens qui ont marketé, c'est-à-dire dans le marketing de Bouteflika, il a été dit que c'est un homme qui est venu délivrer l'Algérie, lui rendre sa réputation, sa place parmi le Oumam et parmi je trop. On a vu que ce qu'il a fait, c'est tout à fait le contraire. Malheureusement, on l'a dit, j'ai horreur de dire ça, mais on l'a dit il y a quelques années que Bouteflika n'est venu que pour détruire l'Algérie. Majash, rire pour détruire, pour se venger. Et le temps nous a malheureusement donné raison. Oui. Cet homme-là a complètement détruit l'Algérie. Près de 850 milliards de dollars, qui est une fortune avec laquelle... Mais on dit qu'il a ramené la paix, qu'il a ramené la prospérité, que les gens sont tranquilles maintenant, qu'ils n'ont jamais rêvé d'avoir une voiture, La paix, elle a été ramenée avant Bouteflika. Bouteflika, il n'a fait que vendre ce qui a été déjà fait. La paix a été dessinée, elle a été... Les architectes qui ont fait la paix, ils l'ont fait du temps de Zeroual. Il faut rendre à Jules ce qui est à Jules. Oui. C'est du temps de Zeroual. Et Zeroual n'a pas voulu terminer. C'est uniquement... Mais d'autres disent que le coup de sifflet de la paix a été sifflé par ceux qui ont donné coup de sifflet pour que la violence s'allume. C'est les mêmes qui ont fait la violence qui l'ont arrêté. Quand il a été ramené, bon ça c'est l'histoire, quand il a été ramené, c'est uniquement pour donner un souffle nouveau. C'est pour justement faire sortir l'Algérie de ce, entre parenthèses, règne des généraux, parce que le plus grand tort de Zeroual, c'est qu'il était un ancien général. Et donc donner le pouvoir à un civil... et par-dessus le marché qui est un ancien des années d'or de l'Algérie, ça a été soi-disant normalement un autre tremplin pour passer à une autre étape. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On est passé maintenant vers les abîmes. C'est pour ça qu'actuellement, ce peuple Chabada qui est complètement amorphe, qui fait le mort, qui fait l'absent, comme si le pays, ce n'est pas son pays, qui justement dit on est bien parce que Walesh, parce que depuis que Bouteflika est venu, les rêves de l'Algérien, ils ont changé quand même. L'Algérien, il est bien parce qu'il va réaliser une construction, Ibn Hidar, il va avoir une belle voiture qu'il va acheter à crédit. Et ça, c'est le top pour un Algérien actuellement. Ouais. C'est ça, il a réussi sa vie. Il a réussi. Des trucs qu'il n'a jamais L'autre rêvé. Algérien pour réussir, ouais. c'est... Okay. C'est pas qu'il bouffe l'argent de ses Absolument. Enfants. Absolument. Un autre Algérien pour réussir, il va se dire, moi je vais quitter l'Algérie, c'est le Harba, c'est le Harga. Nous allons revenir. C'est là les rêves des Algériens. C'est pour ça que justement ça va revenir. Là, c'est le monde entier qui va nous revenir dessus parce que c'est une réalité mondiale. Oui, la misère, elle arrive. Oui. On va y arriver à la baisse des prix du pétrole, mais nous allons voir une courte vidéo. Aujourd'hui, on ne vous présentera pas de journaux pour des raisons évidentes parce que le sujet est trop important. On fera une exception. Mais on va regarder une courte vidéo où nous allons voir le ministre des Affaires étrangères français, M. Laurent Fabius, nous parler de Bouteflika. Aujourd'hui. On a envoyé le petit collègue.
Je viens de voir le président Bouteflika qui m'a dit ce que je pense moi-même, que les relations entre l'Algérie et la France n'ont jamais été à un meilleur niveau. Comment va d'ailleurs M. Bouteflika ? Écoutez, il a une difficulté d'élocution, donc il parle avec une espèce de petit micro, mais du point de vue intellectuel, il fonctionne très bien. Il a des problèmes d'élocution, mais pour, côté intellectuel, même pas faculté mentale, côté intellectuel, c'est le gars qui est en train de... La question, notre presse, vous voyez là, là des CRS qui occupent les lieux, qui mettent des chicanes, des barricades, des trucs, le ministre des Affaires étrangères qui est sur place, qui va lui rendre visite, qui fait des déclarations. Oui, il a des petites difficultés d'élocution, mais plan intellectuel, rien à dire. Donc, et notre presse dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle devient? Pourquoi elle ne rentre pas dans le bain? Bon, c'est pas la presse que je mets sur l'index, c'est le citoyen algérien. Al-Jazair al-Hur. Al-Jazair, il est. Si la presse participe à l'endormir. Actuellement, il y a Internet. Actuellement, l'information, elle est libre. On n'est pas dans les années 70. On n'est pas dans les années 80. Il y a libre accès à l'information. Et donc, quand on veut chercher l'information, quand on veut chercher la vérité, on y arrive tout le temps. C'est vrai. La presse, maintenant, elle fait son travail de commerce, parce que c'est du commerce, mis à part les mestelages. Mais en général, c'est du donnant-donnant. Saïd, il a tout acheté, même la presse. Oui. C'est le premier organe qu'il a acheté. Et il a réussi à démanteler le DRS. Il a réussi à démanteler le DRS. Justement, à ce sujet. Il a réussi à démanteler le DRS, ouais. Cette fois-ci, pour la première fois, nous apprenons que des nominations ont été signées, que des décrets ont été signés. Tout le monde sait que maintenant les décrets, qui les signe, ce n'est pas Bouteflika, bien sûr, que des décrets de nomination à des postes de haute charge des grands serviteurs de l'État ont été nommés pour la première fois sans qu'il y ait eu d'enquête d'habilitation du DRS. Absolument. Est-ce que vous confirmez? Depuis la première fois, depuis l'indépendance de l'Algérie, le dernier lot de diplomates qui ont été désignés, ils ont été désignés directement par Saïd et leurs affectations ont été signées directement par Saïd. Ce n'est pas passé par le DDSE. D'ailleurs, le général Youssef, directeur de la DDSE, n'en savait rien du tout. Khodara Fougacha. Oui. D'ailleurs, Raoul Tumma, pour dire Haddetini, c'est tout. Il ne sert à rien. C'est comme ça, c'est ça le message donc, de Saïd. Donc le pouvoir aujourd'hui est entre les mains de Saïd et d'une. C'est une clique. Qui est dans le premier cercle? Le premier cercle, justement, c'est Saïd, c'est Gaïd Salah. On dit qu'il y aurait une soixantaine de généraux avec lui. Non, même pas. Il y a à peu près une vingtaine de généraux avec lui. Ceux qui sont dans les hauts postes de l'armée. Ils sont dans les hauts postes de l'armée. Les hauts commandements, les unités, les combats. 90% de ces généraux sont issus de Tlemcen ou des alentours. Ah bon? Absolument. Ça, c'est une règle d'or. C'est incroyable. Ça, c'est une règle d'or. Règle d'or. Et avec Saïd, bien sûr, il y a le fameux Ali Haddad, qui prend même des décisions politiques. Les oligarques. Qui arrivent maintenant, qui entrent dans le premier cercle, ouais. selon vous. Ouais. Et ça, c'est ça qui explique qu'Ali Haddad se présente aux élections du FCE. Ah oui, absolument. Ça veut dire maintenant, ils sont dans le premier cercle. Il ne fait rien sans Saïd. Mais est-ce que, pourquoi? Est-ce que c'est son argent? Est-ce que l'argent de Saïd? Non, c'est l'argent de Saïd en premier lieu, parce que c'est Saïd qui a fait Ali Haddad. C'est une ancienne amitié, c'est Saïd qui l'a fait. Alors, je vais revenir à la question que je vous ai posée tout à l'heure. J'aimerais que vous me répondiez de façon plus claire, plus directe, plus concise, mm-hmm. pour que les Algériens comprennent, pour que nous-mêmes comprenions. Imaginons, Béchar à la collatéral, que Bouteflika décède. Comment va opérer Saïd, Gaïd Salah et ces gens du premier cercle dont vous nous parlez, qui sont avec eux, pour garder le pouvoir? De façon claire, expliquez-nous comment ils vont faire. Premièrement, ils n'ont pas le droit de laisser le pouvoir, comme j'ai dit, parce qu'ils laissent le pouvoir, c'est la fortune qui s'enlève. Ça c'est une ligne rouge. Ils n'ont pas où aller. Enfin, ils n'ont pas où aller avec beaucoup d'argent qu'ils ont investi en Algérie, les terres et l'immobilier. Ils ont de l'argent à l'étranger, mais ils ont aussi des fortunes à l'intérieur. Absolument. Et donc, pour s'assurer de tout ça,
c'est Saïd actuellement qui est en train de tout faire pour succéder à son frère. Il va succéder à son frère. Pour lui-même. Lui-même, oui. Il sera candidat à la présidentielle. D'ailleurs, pourquoi ne pas succéder à son frère, alors que c'est lui qui signe les décrets depuis plus de deux ans. Oui, depuis beaucoup plus longtemps. Mais il a fait ses preuves. Mais on dit que la France n'aurait pas été d'accord sur ce scénario. Bah, la France, de toute façon, quand la France, elle n'est pas d'accord quand il s'agit d'argent qui part ailleurs qu'en France. Elle est toujours d'accord, et Saïd, c'est là où justement il a eu le grand soutien des amis français, c'est parce qu'il a tout le temps alimenté les caisses françaises avec de l'argent qui sort de l'Algérie. Des contrats opaques, des coopérations que personne ne voit, contrats d'armement faramineux, équipement militaire, station d'écoute. On ajoute à ça, voilà, la station d'écoute par exemple, il les cite qui est en train de se construire à Tlemcen. On rajoute à ça les dernières décisions pour les entreprises algériennes d'investir en Algérie, qui n'est un subterfuge pour faire sortir de l'argent algérien à l'étranger. C'est tout. Bon, alors imaginons que ce scénario puisse se réaliser, que Bouteflika va mettre les frères Bouteflika, le clan, avec un K comme on dit, va mettre en branle cette tactique qui consistera à faire passer directement le vrai patron pour devenir le patron visible. Saïd Bouteflika devienne président en cas de décès de son frère, supposons. Mais quelle va être la réaction de la société algérienne, du peuple algérien, notamment parce que beaucoup de gens pensent que cette prospérité qu'on voit, cette prospérité fictive, plus de 60% de la population vivent dans des conditions atroces. Ouais. Même le lait pour avoir un sachet ou deux de lait pour leurs gosses, ils sont obligés de se lever à 5 heures du matin pour ramener un lait qui pue dans des... ça veut dire, non, c'est la mise à est-ce que c'est les gens vont accepter... Après 60 ans d'indépendance, oui. On n'est même pas capable de produire du lait en Algérie. Et si demain, Saïd Bouteflika passe, Le peuple ne va pas réagir. Le problème, c'est qu'actuellement, le peuple algérien, on peut un peu le schématiser et dire qu'il est en train de devenir comme le peuple égyptien. Ce n'est pas une insulte au peuple égyptien, mais il ressemble. Oui. Il ressemble actuellement, il tend à devenir vers comme le peuple égyptien. C'est l'état de fait. Mais c'est vrai qu'il y a une anesthésie. Maintenant, quand on parle de peuple, oui. C'est ça le peuple. C'est comme ça qu'il va être. Oui. Le peuple, qu'on le veuille ou non, malwarf. Oui. Oui, mais il veut la paix. Mais par une période tragique. Non, il a peur de tomber dans la syrianisation, dans la Il a peur de tomber dans la syrianisation. C'est un bain de sang qu'on va partir. Si le peuple met une autre, si le peuple ne se défend autre, pas, comment, et on comment, n'arrête pas de qui le dire. Est-ce qu'il y a une autre violence, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de force organisée. Mais on vient de dire que le peuple burkinabé, il a foutu le feu à une assemblée nationale qui a voulu changer la constitution pour qu'un président soit réélu. Est-ce que le peuple burkinabé est mieux que le peuple algérien? Non, qu'est-ce que vous préconisez? Ce peuple, il va se lever tout seul. Il n'y a plus de force autour de laquelle il peut se rallier. Il n'y a plus de force parce que tout le monde a été acheté. Parce qu'il n'y a pas une classe politique qui est saine. On nous parle de coalition, de transition, de la CNLTD, de forces qui essayent de faire l'injonction. Ce n'est pas la politique de salon, ce n'est pas la politique des hôtels à 5 étoiles qui va changer l'Algérie. L'Algérie, quand elle a été changée en 1954, c'est Félix Belka qui a été changée. Et là, vous appelez à la violence? Est-ce que c'est un appel à une révolte, à une révolution? J'appelle le peuple à se révolter, oui, parce que c'est un devoir de se révolter. Mais de quelle façon? C'est un devoir de se révolter. Pacifiquement, bien sûr. Mais le régime ne va pas laisser faire. Le régime va envoyer les gosses de ce peuple contre lui pour qu'il le tire dessus. Comme il avait en octobre 88. Mais c'est ça le prix à payer, justement. Maintenant, on l'a payé ce prix. Oui. On l'a payé ce prix. Oui. Il n'y a aucune révolution qui va se faire sans qu'il y ait de la casse. La dernière fois, vous avez vu que les policiers, ils ont imposé leur demande.
Et ils ont été acceptés parce que le pouvoir ne peut pas faire sans ces policiers qui sont normalement issus de, oui, du peuple. Oui, mais là, c'est les policiers, c'est ses agents à lui. Il a besoin, c'est son rempart contre quand le peuple. Policier, quand un policier, j'ai des membres de ma famille qui sont des médecins. Oui. Eh bien, ils sont payés moins qu'un policier. Oui, oui, mais le, bon, c'est le régime a trouvé. Ces gens-là sont le rempart entre lui et le peuple. C'est normal qu'il les paye, qu'il les corrompe, qu'il les gave. Vous avez tout dit, justement. Oui. Vous avez tout dit. Oui. Alors, si le peuple admet cet état de fait, ben, ça c'est son problème. Oui. Mais tout ce que je peux dire, c'est que même si le peuple accepte, il y a des gens qui ne vont pas se taire. Oui. Et Saïd, il va le payer. Et ceux qui, oui, et ceux qui sont avec lui, ils vont le payer. Moi, je voudrais signaler une chose. D'abord, que nous ne généralisions pas. Il y a des policiers honnêtes, il y a des policiers, non, absolument, qui veulent faire leur devoir. Absolument. On ne doit pas séparer le peuple entre deux. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères. C'est ce que je dis. J'espère qu'ils rejoindront notre cause. C'est ce que j'ai dit. Mais ils sont issus du peuple. Oui. Parce qu'en finalité, Saïd Bouteflika et tous les oligarques et tous les militaires qui ont de l'argent, oui, c'est des gens qui peuvent partir ailleurs. C'est des gens qui ont investi en France, en Suisse, en Espagne. Ils ont la possibilité de partir. Les policiers, ils doivent rester en Algérie. Et c'est pour ça, justement, que tout le monde doit réfléchir. Tout le monde doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si on n'agit pas, c'est faire le bain de sang qu'on va partir. Le docteur Hassine, nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. Pourtant, on nous a fait une rallonge, hein, compte tenu de l'importance du sujet. Si vous pouviez conclure en moins d'une minute. Qu'est-ce que vous attendez de ces forces politiques qui tentent de s'organiser, de faire jonction pour essayer de se mettre au devant de la société algérienne, du peuple algérien, pour essayer d'imposer une solution transitoire, une solution pacifique? Moi, je pense qu'il faut revenir au peuple. Il faut revenir justement aux forces vives de la nation. Il faut revenir aux gens intègres de la nation. Il faut donner au peuple sa chance. Et je sais que ça peut être illusoire, mais le peuple doit réagir aussi. L'initiative ne va pas venir avec Dakberk. Le Saïd Bouteflika et tous ceux qui sont avec lui ne vont pas partir Blmelaha. Ils ne vont pas dire un jour au lendemain, ok, tibqa ala khir, voilà, on vous donne l'Algérie, irham waldikum. Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est de l'utopie tout ça. Oui. Il faut que le peuple s'unisse. Il faut que le peuple save que le Jazeera, il n'y a que ça pour eux. Si on veut construire, si on veut avoir un meilleur... parce que pour nous, c'est trop tard. Si on veut avoir quelque chose de mieux pour nos enfants, il faut commencer maintenant. Il faut se battre pour nos enfants. C'est sur ces paroles, sages paroles, que nous allons donc conclure. Merci de nous avoir éclairés. Merci d'avoir laissé parler votre cœur. Cette émission est terminée. Merci. À la prochaine. Salam alaikum. Thank you.